Goedendag, welkom allemaal in FM World. Vandaag met drie gasten in de studio voor deze FM World. Ahmed Hakim van Le Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie. Hij komt praten over een tentoonstelling genaamd Des Roms Debout. In jeugdherberg Jacques Brel in de Zavenput de Rue de la Sablonnière. Dat is dicht bij de Kruidtuin. Dicht bij Madou aan het Barricadeplein. We hebben het ook over een theaterstuk met Guillaume Kerbuche. Hij is acteur, oftewel Russische zeeman, te zien in Le Mouton et la Baleine. Een stuk dat vanaf de 15e te zien is in Theater Océan Nord in Schaarbeek. En we praten met Emmy de Schutter over de nummer 4466. Een sms voor een dakloze en 30.000 ontvangen sms'en van dokters van de wereld. Bonjour, goeiedag tout le monde. Bonjour, bonjour, goeiedag. Welkom. We hebben het over drie verschillende onderwerpen, maar eigenlijk komen die een beetje allemaal samen op een welbepaalde manier. Om te beginnen misschien iets dat op dit ogenblik al bezig is. Ik ben vorige donderdag gaan kijken naar de tentoonstelling De Vernissage des Roms Debout. Ahmed, tu as organisé cette exposition dans l'auberge de jeunesse Jacques Brel. Une exposition pas très grande, mais quand même relativement efficace dans un lieu qu'on pourrait appeler un lieu nomade. Peut-être que c'est pour ça que Des Roms Debout a atterri au Jacques Brel. Oui, je dirais effectivement que c'est un lieu tout à fait important pour nous. Tout d'abord, par rapport à la philosophie même des auberges de jeunesse, je rappelle que les auberges de jeunesse, ce concept a été créé dans les années 30 en Allemagne, c'est très peu connu, dans un but avoué de favoriser la rencontre pour une meilleure compréhension entre les peuples et les cultures. Et au travers, bien évidemment, de l'hébergement des jeunes à un prix modique, permettant vraiment une rencontre, une réelle rencontre entre des populations tout à fait différentes. La deuxième raison du choix de l'auberge de jeunesse est aussi importante pour nous, à savoir que c'est un lieu relativement banal. Dans la mesure où ce n'est pas un lieu d'exposition d'une population particulière, c'est au contraire un lieu de rencontre, un lieu de vie, un lieu de passage. Et pour nous, c'était très très important, au travers de ce lieu-là, de montrer que finalement les Roms sont ici, comme d'autres habitants de Belgique ou d'ailleurs, mais qui sont vraiment là au même titre que les autres citoyens. Et enfin, il nous semblait aussi important de montrer que je dirais le travail avec les Roms doit aussi se faire de manière tout à fait banale. Wel gekozen plek, een plek voor ontmoeting natuurlijk, een jeugdherberg hier in Brussel, een plek waar heel veel leven is en waar die foto's misschien toch wel goed op hun plaats zijn, omdat ze inderdaad een beetje uitdagend zijn bij momenten. Het is voor Hakim een plek, de uitgekozen plek, ook een beetje omdat het misschien een banale plek is, een plek waar mensen heen komen en heen gaan ook. Het is een mooie tentoonstelling geworden, een 15, 20-tal foto's, il y a 15-20 photos, quelque chose comme ça. Nous en avons sélectionné, bien évidemment, pour que ce soit tout à fait cohérent avec l'auberge de jeunesse.